Ça a été ta journée? J'ai une journée un peu compliquée. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Qui a fait ce dessin? C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. C'est pas une musulmane, ça! Pour la énième fois, Allah n'a rien à faire dans ma classe! C'est juste un crêpage de chignon entre camarades de classe. Ce que je peux vous dire, c'est que c'était isolé et exceptionnel. Tu parles d'eux comme s'ils avaient 4 ans et demi, hein. Ça va, hein. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, hein. Bon, face à un début de tumeur. Aujourd'hui, vous allez découvrir un nouvel auteur. Abou Nawas. Il est musulman. Et il aimait aussi bien les hommes que les femmes. Faut que t'arrêtes, Amal. Contente-toi de faire ton travail et de rentrer tranquillement chez toi. Les élèves sont venus me voir. Ils sont furieux. Ce que tu as fait lire à mon fils, ça, c'est inadmissible. Vous êtes tombé sur la mauvaise personne, monsieur. Ça va juste mettre le feu aux poudres. C'est le problème. Trouvez-lui un exorciste pour guérir son truc de lesbienne, là, et quoi. Oh, Rachid. Baba, j'ai rien fait. J'ai insulté personne. J'ai pas insulté la religion. Toi et ta prof de merde, là, venez nous pervertir. Vous avez toutes les deux payées, c'est bon? J'en peux plus, j'ai un bout. Tu me parles des menaces que t'as reçues sur Internet. Tu sais que je vois plus Mounia à mes cours de religion. Tu devrais lui dire de revenir. Ce serait mieux pour vous. Ce que je te demande, c'est de pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse. Et j'ai vraiment peur pour toi, pour nous. C'est pas un jeu, Amal. Ils ont notre adresse, c'est sérieux. C'est à cause de connards comme lui qu'on doit s'excuser tous les jours d'être musulmans.